Merci Rio, merci à Tissili, merci à Aerostar, merci à Twinten d'avoir fait la commodération. Donc nous allons chez le sage qui va être sur un jeu de Billy. Merci à ceux qui auront les rediffusions sur Twitch ou YouTube. Bonne soirée tout le monde. À la prochaine. A plus, Zoubi. Oh mon dieu, j'ai interverti les lettres. Donc on va retrouver le sage de Nancy sur du Marvel en stream. C'est ça. Donc là, je lance le raid. Ouais, plutôt que je dise cette phrase, pas quand je lance le raid, quand le raid est lancé. Du coup, je me retrouve en gland avec les 10 secondes à attendre. Bon, gauche et le sage. Et n'oubliez pas, point d'exclamation, play. C'est ça, exactement. Merci FunFan pour le relais de chaîne. Alors attendez, moi je mets hop tout ce qu'il faut en place. Ce que je te propose, c'est de basculer de mon côté, tu sais, en direct Twitch, pour peu qu'il y ait des personnes qui nous rejoignent pour bavarder. Je reste en vocale ouverte. D'accord, pas de soucis. A tout de suite. A tout de suite. Voilà. Comme ça, tout marche. Ah, tout fonctionne. Je suis déjà de retour. T'es bien. Une scène et sa pierre. On va vu, c'est sa faute. C'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Minecraft, le jeu le plus vendu au monde. Plus de 200 millions d'exemplaires. Et le jeu favori du sage. Rejoignez-vous aussi le serveur de jeu sur lsdn.craft.vg émoticône souriant. Lorsque le jeu est diffusé, n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique pour provoquer des événements en direct. Il n'est pas nécessaire que vous possédiez Minecraft afin de pimenter notre aventure. Point d'exclamation play pour placer votre mini sur la piste. Il connaît pas ce jeu Marvel en stream. Bonjour Pierre Troutman, j'espère que tu vas bien. Nous on va bien dans l'ensemble. C'est Mad Max, la chaîne du sage. Ah là là, m'en parle pas. Voilà, comme l'a expliqué FunFan, pour ceux qui veulent participer au Bibi, c'est sans engagement, hein, pour peu qu'il y ait des anonymes qui regardent, qui seraient timides. Vous mettez point d'exclamation play, c'est un jeu de hasard, et puis vous avez plaisir de voir votre Bibi faire les différents parcours conçus par la communauté internationale. Et puis on papote entre nous, c'est une vocale ouverte pour ceux qui connaissent mon Discord, n'hésitez pas à rejoindre, et puis on bavarde de tout et de rien. Insane Way, artefact facile à venue et des fortista en 0207. En 0207. Eh oui, merci FunFan, ouais, pour l'info. Alors, c'est dis-moi que c'est pas vrai, Pierre Troutman. T'as fait ton propre pâté lorrain à l'instant. Eh ben, bravo, c'est bien. Moi-même qui suis lorrain, je me suis jamais amusé à en faire. J'aime bien en savourer de temps en temps, mais de là à les faire moi-même, je suis pas motivé. Et surtout la phase mariner la viande, la préparer qui... Ouf. Ah là là. Ouais, tu fais ça depuis des années, c'est bien. Ah, volontiers pour la photo. Merci. Par ça, j'espère que tu vas bien, Pierre. Enfin, si tu prends le temps de te confectionner des pâtés lorrains, normalement, oui, ça va bien. Oui, nickel, c'est bien. C'est bon. C'est cool. C'est cool. Oui, y a pas de soucis, FunFan. Oh oui, va te soulager et te dégourdir un peu les jambes après tes 3 heures de direct.
tu as pas volé ta pause. Maybe. J'en ai les yeux qui piquent. Bon. Excusez-moi. Ah, je vais boire un coup. Ouais, demain soir, on fera le... vers 20h, on fera le tableau mystère. Je te reconnais bien, la Twinsen. Ah, t'as bien raison. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est moi le cocu de la course. Je vais fermer la marche. Eh bien, bravo Fenfan. Elle t'arrive au bon moment alors. Je vois, effectivement, je le constate. Allez-y, allez-y, vous pouvez placer votre bibille. Bon, niveau programme, mon cher Pierre Troutman, je me permets de te rappeler que demain, à partir de 14h sur mon antenne, enfin plus exactement 14h30, il y aura la suite de ma promenade avec Nayonet sur le plateau. Donc il y aura encore 3h30 de vidéo à visionner. Et derrière ça, il n'est pas impossible que je fasse une petite demi-heure de rap comme la dernière fois pour voilà, répondre à vos questions ou compléter des informations qu'on aurait dit entre nous. Recoucou le coyote, oui allez-y, placez vos billes. Moi, je pense que je vais basculer de la lumière naturelle à l'artificielle vu le crépuscule qui s'installe et je commence à être mal à l'aise par rapport à la luminosité, ça me flingue des yeux. Attendez, on va suivre le coyote. Caméra est pas dans le bon angle. Bon, je cède à une envie. L'envie de ma momousse. Bougez pas, je reviens. Bah oui, d'ailleurs, je suis en train de dire, je pourrais la verser.
messieurs et rejoins-moi ici. Les insectes circulent comme des petits véhicules. Les insectes circulent et le temps pour nous sort. Si on s'habille pas, on regarde la mer. The rainbow. Oula. Oulala. Là là. Qu'avons-nous là? Comment dois-je placer la caméra? Ah, comme ça, pardon. Ah. Choup. Ah, la journée. Oh, je recommence avec le bruit odieux de la mousse au micro. C'était tellement beau que ça avait fait l'objet d'un sample. Ah non, là ça le fait moins. Ah, faut dire aussi, j'avais versé. C'est moi ou j'ai excité les aimants? J'ai pas compris le wrong wrong wrong. Ah non, c'est dans le jeu. Je comprenais plus. Ah oui, pas en majuscule, s'il te plaît, tu une scène. Du coup, tu t'es fait botter. Tu t'es fait botter le cucu, virtuellement parlant, alors que Léo Tech remporte la course. Ah, le coyote est troisième. Je commençais à flipper avec mon micro et la canette. J'ai dit, il y a un truc avec les aimants du micro là ou quoi? Oh! Très original comme. Allez-y, placez votre bibi. Point d'exclamation play pour placer votre bibi sur la piste. Une délicieuse mousse rouge, c'est mon plaisir du week-end. Et celle-là, croyez-moi que je l'ai pas volée. Après la semaine que j'ai passée, dont deux nuits d'affilée où j'ai très mal dormi à cause de tapage nocturne dans le quartier. Là, je boude pas mon plaisir pour le week-end de 3 jours. Merci le coyote, bonne soirée, bon amusement. Oui, merci, à toi aussi, bon week-end. Merci d'avoir été là, bon. Le coyote. A plus. Ah. Ah, regardons un peu ce que propose le coyote. Non, le coyote, pas le sage de Nancy, Boogie Boo. Alors. Ah oui, je me souviens, je l'avais fait précédemment. On peut lire la description de la chaîne de le coyote. Oh mon dieu! Oh, on est juste entre nous, moi. Attendez. Bah, il y a des joueurs qui nous rejoindront un peu plus tard. Oula, attends, c'est pas où que ça se passe. Ah, c'est encore tout à la verticale, ce tracé, j'ai l'impression.
Vous arrivez bien là. Eh bien. L'habit qui est en train de se fourvoyer. On est entre nous, mais je te cacherai pas, Fun Fan, que si à regret, au bout du Grand Prix, il n'y a personne qui nous a rejoint pour faire les bibis, soit je rends mon antenne, soit je fais autre chose. Je verrai le moment venu. Ah oui, comme tu le souhaites, oui. Voilà, c'est un peu tristounet, hein, on va pas se cacher et se voiler la face. Ça devient vraiment rigolo qu'on est 6 ou 7, et le top, c'est d'être plus d'une dizaine. Ah bah oui, clairement. Eh bien, bon, bah carte suivante. Oh, re-Aeroster. Ah bon, on va se faire une joie de suivre ta bibille. Ah là là. Ah, j'ai fait une sélection large, les tracés dans la base de données du jeu. Je crois que les tracés, j'avais dit, pouvaient durer jusqu'à 6 minutes de long. Et jusqu'à maintenant, on était sous les 3 minutes. Donc, ça expédie assez rapidement les courses les unes derrière les autres. Ouch. Youhou. Oula. Oh, il y a des tonneaux d'explosifs. Ouh la vache. Oh là. Waouh, la violence avec laquelle a été éjectée ta bille. Impressionnant là, sur le plan de caméra et roster. Elle a foncé comme une balle. Mais pas sûr que ce soit suffisant pour battre un record, parce que il y a encore de la route à faire et il y a pas mal d'obstacles.
Je reviens à Météo. Mmh. C'est pas pour vous, hein. Je suis en train de me poser la question par rapport à ma soirée. Je me disais si j'allais pas me consacrer un peu de temps hors antenne ce soir pour essayer de concevoir mon premier parcours de golf dans Golf Around. Ça, je serais motivé à concevoir. Alors c'est pas en une soirée que je vais faire un 18 trous, hein. Faut pas se voiler la face. Ça demande quand même du temps à la conception. Mais je pourrais peut-être commencer à essayer d'éditer un premier parcours, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Eh bien. Yeah. Ah bah bien joué, hey Roster. Ah ouais. Oh, t'es arrivé strictement en même temps que FunFan. Ah bah elle est pas mal celle-là. Et d'ailleurs, dans la logique informatique, je pense que t'es déclaré premier ring parce que ordre chronologique. Chronologique d'abord, mais alphabétique ensuite. Donc le fait que t'aies un A et que FunFan ait un F, de facto, t'es déclaré premier. Je pense que le tri primaire, c'est la chronologie, évidemment. Et le second, c'est l'alphabétique. Ah, c'est dingue, ça. C'est troublant. Mais je crois qu'on avait déjà fait l'expérience précédemment. Où j'avais fait le même constat. C'est troublant. Oh! C'est le stage des bigoudis. Point d'exclamation, play, allez-y. Point d'exclamation, play, pour placer votre lubie sur la piste. Et je pourrais encore prendre le temps ce soir, le plaisir de revenir vers certains via Discord, à qui j'ai pas fait coucou depuis longtemps. Ah, je suis revenu, je pense, un peu trop tard, non? Je sais mais pas. Non, place tes bibis, place tes bibis. C'est bien parce qu'avec moi, ça marche, place tes bibis, c'est pas place ta bille. Mais t'as vu que c'est le niveau des bigoudis. C'est original, hein, moi j'aime bien. Il y a de l'idée. Ouch. Ah, puis là aussi, c'est un tracé assez court. Moins de 2 minutes pour le record mondial. Ça devrait pas trop traîner. Avec Léo Tech. Merci Pierre, c'est adorable. Merci pour les photos de ton pâté lorrain. Je vais me faire une joie de regarder ça ce soir. Et bien joué de ta part. On voit qu'il y a l'autre colonne avec également des glaçons de rétention. Ils ont déjà tous été mangés, ouais. Bien joué. Il y a un truc dont je pourrais vous parler demain lors de la promenade. Il y a Nayonet qui m'avait gâté.
il m'avait fait des galettes au miel. Et il m'avait demandé quel miel je préférais. Le miel que je préfère, c'est le miel de sapin. Et, oh là là, qu'est-ce que c'était bon! C'est un fin gourmet, Nayone. Il cuisine bien. Ça, le sandwich qu'il m'a offert, souvenez-vous, la première partie de la promenade pour la pause déjeuner. Il est doué, le garçon. Il est doué. Fichtre. Ce duel de Bibi. Oh, encore des glaçons de rétention. Comme j'aime désormais les appeler. Oh, 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 c'est arrivé. Ah merde, c'est moi qui gagne. Désolé. Deuxième aéro, troisième néothèque et quatrième funefan. On file sur le tracé suivant. C'est incroyable le faux mail qui est omniprésent en supermarché. Ah, le faux miel, oui. Oui, oui, c'est de la flotte avec du sucre. Ouais, c'est dégueulasse. Ouais, ouais. Ouais, mais ça, c'est de la disparition des abeilles. Hein. C'est triste. C'est triste. Hop. J'aime bien votre 4 bics, ils sont bien répartis, du moins dans la longueur. C'est amusant. Point d'exclamation play pour placer votre bibi sur la piste. Ah bah joie que tu te joignes à nous, Pierre. Touk. Oula. Si je place pas la caméra là où il faut, ça va pas le faire. On pourrait miser. Moi, c'est un jeu sans enjeu. Ah, il y a des informations sur la saison de Fort Boyard. Oh, je t'écoute. Vas-y, déjà, dis-nous tout. La rumeur qui disait que Delphine Despisère, la semaine dernière, enfin l'année dernière, ce serait sa dernière saison, elle y sera encore. Elle garde ses deux personnages. Maintenant, est-ce qu'ils auront plus de temps d'antenne, autant de temps d'antenne ou encore moins de temps d'antenne? On le saura, hein, ça on le sait pas encore, mais elle reste. Bon, on peut pas faire moins de temps d'antenne parce qu'elle avait vraiment un temps d'antenne très, très réduit. Et la deuxième partie ne sera pas animée par Olivier Mine. Ah bon? Oui, ce sera Willy Rovelli qui le fera tout seul. Ah tiens! Tiens, tiens, est-ce qu'il lâcherait l'affaire? Il en a peut-être marre, à force, Olivier Mine. Alors, la version officielle, hein, c'est Mine qui le donne. Il dit que ça lui fait beaucoup d'heures et qu'il veut un peu se reposer à son âge. En fait, tout ça, il dit que il reste beaucoup de trucs. Mais il garde quand même, quoi qu'il arrive, la première partie de soirée. D'accord. Il fera 21e saison. Et sa 20e année, qu'il avait débuté en 2003. Oh la vache, deux décennies, ah ouais, je comprends. Donc, est-ce qu'il arrivera à 22 saisons et 21 ans? Est-ce qu'il arrivera à refaire revenir Loana? C'est la question. Parce que symboliquement, Loana, elle avait fait la première avec lui, quand c'était lui qui avait pris les rênes en remplaçant Castaldi.
Bon, voilà les petites les ce qui est concerné, quoi. C'est même pas des rumeurs, c'est confirmé. Maintenant, on verra bien est-ce que les tigres vont être améliorés ou toujours aussi pourris en informatique. Ouais, en image de synthèse. Fait par Windows 95, hein, parce qu'ils ont pris un ordinateur du fort. Ils ont dit que oui, mais l'année dernière, la Roche Ouvert, elle a dit oui, c'est vrai que c'est pas terrible, on va essayer d'améliorer ça pour l'année prochaine. Et là, on se retrouve avec les tigres du premier Tomb Raider, tout en polygone. Ah, c'est ça. Moi, ça me ferait rire. Ce serait d'une grande décadence, mais ça me ferait rire. Ce qui me surprend avec la protection des animaux, c'est que il n'y a que pour les tigres. Les mygales, les serpents, les machins, c'est pas leur problème, quoi. Il n'y a que les tigres qui sont dérangés. Il n'y a que les tigres qui sont dérangés. Eh, pas mal, deuxième place, Pierre. Mais bon, il n'est pas dit que dans quelques années, tous les animaux soient informatisés après. Oui, il n'y en aura plus. C'est triste. Quatrième Aeroster, bien. Oups, t'as un petit peu trop anticipé, Fun Fan. Va falloir que tu recommences ta saisie. Pour moi, je trouve que bon, c'était les tigres principalement. Bon, après, tu lèves les cigales, les mygales. Mais les fourmis, oui. Ils mettent des nanas à gros nichons. Ben, Pierre, je vais te dire, c'était dans les. Alors, dans les premières saisons, oui, les décolletés étaient beaucoup plus ouverts. Maintenant. Non, mais. Et tu oublies l'épreuve de la femme nue, tatouée dans le noir. Le candidat dans le labyrinthe devait avoir la torche à la main et devait lire sur le corps de la jeune femme le mot-clé qui était inscrit en tatouage, on devine lavable, hein, évidemment. Mais la femme était nue. Ouais. Bah, c'était dans les premières éditions, je m'en souviens encore. Ariane, oui. Et même, ils ont fait une édition avec Gilbert Montagnier. C'était assez drôle. C'est quel épisode, c'est pour un ami. Non, mais c'était dans les premières années, le coup de la femme nue tatouée dans Fort Boyard. Pierre, tu tapes Fort Boyard, Ariane, et tu trouves pas. Quand je pense que c'est même maintenant, ce sont s'exclament parce qu'ils trouvent que Delphine Espizer montre trop ses jambes et qu'à l'époque, on avait des femmes nues, on a quand même bien évolué. Mais à l'époque, certaines candidates, elles avaient des décolletés là pour les épreuves des cylindres. Voilà. Elles savaient qu'elles allaient passer sur les cylindres, hein, le faisaient. Et les hommes, ils avaient des débardeurs où on voyait bien leurs muscles. Maintenant, on voit plus rien. Il reste plus qu'à supprimer l'épreuve du spa et puis il n'y a plus rien. Quoi. Et Delphine, on la rhabille un peu et puis c'est bon. On la rhabille un peu. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Je suis dans la caricature des extrêmes. Oui. Oh, je te reconnais bien là. Quand les blanches. Ils ont bien ses jambes ou quoi? Pierre Trunban est entièrement d'accord avec toi. Pierre Trunban, hein? Oh, mais ça va pas! Est-ce que j'ai compris que t'as dit? Mais non! Pierre, t'as pas compris ça aussi? J'ai dit Pierre Troutman, pas autre chose. Ça va pas. N'importe quoi. Je ferai que. Voilà. Je vérifierai. Comment ça? Mais non! Aïe aïe aïe. Comme on dit, la bonne formule chez les cathos, le ciel m'est témoin que pas un seul instant j'ai pensé cela. Merci. N'importe quoi. Ah là là. Bon. Je vais y référer et s'il y a preuve, il y a qui. Non. Et tu vois l'intérêt de mon horloge, c'est là où tu notes sur le papier, c'était à telle heure, et hop, t'as vite fait d'en retrouver l'ardif le moment. C'est là toute l'utilité de mon horloge. Intégrée dans l'habillage. Oui. C'est sûr que c'est plus discret qu'un petit C chaque fois dans le chat.
tu fais comme tu veux. Donc oui, oui, il y avait Ariane, il y avait quelques candidates aussi. La Felindra aussi qui s'est rhabillée d'année en année. Quand même, oui. J'aime bien ta description. Ah oui, il y a quelques années, elle était plus dévêtue et là, moi, elle dit, bon mal, on va tous finir gay. Ah. Oh, oh, Pierre. Et si c'est le matin, c'est le ghetto. Je n'ai rien entendu, mais il est fou. C'est gay, il est tôt. Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. To the go, vous pouvez placer vos bibis. Il y a le ghetto et il y a le guitare. Hein. Pour les mais bien sûr. Que dire derrière ça? Bon appétit si vous êtes à table. Vu l'heure française, normalement c'est le moment. Je pisse 500 sur ma pomme. Donc ouais ouais donc voilà, il y avait quelques candidates comme ça mais tout ça c'est fini aujourd'hui, c'est comme ça. Je sais plus, il y a 3-4 ans de ça, il y avait eu un incident de tournage où il y avait un candidat qui avait dû être téléporté à l'hosto. Je sais plus qui c'était, comment il s'était blessé, mais je me rappelle de ça subitement dans l'historique de l'émission. Non, ouais, pour moi, ils sont un peu dans l'extrême, ok, qu'ils lèvent, tu vois, des épreuves purement sexy comme les cylindres, ça appartient un peu à une autre époque, tu vois, je dis, pourquoi pas, tu vois, des épreuves purement sexy pour du sexy, pour l'audience, tu vois, je trouve ça nul. Que, bon, qu'on les ait, que c'est bien qu'ils les ont levés parce qu'il faut moderniser. Par contre, que les candidates, ils les habillent comme s'il fallait pas montrer un décolleté, alors dans la vraie vie, certaines femmes mettent des décolletés. Ça devrait plutôt être un choix des candidates, tu vois, si elles ont envie d'être un peu déçues, elles le sont, si elles n'ont pas envie, elles ne le sont pas. Mais leur imposer des tenues où elles ne peuvent pas l'être, idem pour les hommes, hein, s'ils ne peuvent pas mettre leurs bras, ils n'ont pas envie. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est être un peu qu'on veut de tout asexuer, pour ça c'est bête. J'ai plus les chaînes depuis tellement d'années. Ouais, de toute façon, moi, la télé, je vais avoir de moins en moins. Alors, Pierre, vas-y. Moi aussi, et toi, fan, c'est-à-dire que moi, je la regarde quasiment plus. Je la regardais encore un petit peu du temps du premier confinement, justement pour suivre l'histoire du virus avec arrêt sur image sur France 5 qui permet de décrypter l'actualité. Et sorti du premier confinement, j'ai arrêté la télé française. Je regarde plus rien. C'est l'inverse, c'est à partir du premier confinement que j'ai arrêté vraiment de regarder la télé. À part pour Caméra Café, Game One et Fort Boyard, c'est tout ce que je regarde. Ou une émission personnelle. Donc tu la regardes encore un peu, il faut voilà, être honnête avec soi-même. Même si c'est, voilà, c'est des émissions de divertissement. Mais moi, vraiment, je ne la regarde plus du tout. Je ne regarde même plus les infos via la télé. L'information, maintenant, la vraie, la bonne, je l'avais sur les sites d'information officiels. Moi, je regarde mon journal local qui est l'Est Républicain, je regarde France Info, je regarde France Bleu. Moi, je regarde encore un petit peu, mais je regarde plus les journaux télévisés, tout ça, c'est plus.
Ah, tu auras plus la télé depuis l'arrêt du journal du Hard. Aïe aïe aïe. Mais c'est pas arrêté le journal du Hard. Ah, Pierre Koopman, je viens de regarder. Bah en fait, France Bleu, quand tu vas sur leur site, ils te proposent la version radio et la version télé. Mais moi je me contente de la version texte. Mais quand tu vas sur France Bleu, t'as un canal TV. Faut regarder en haut de l'entête du site. Comme beaucoup de sites de médias d'information, hein, t'as toutes les formes. T'as la télé, t'as la radio et t'as le texte en continu sous forme de nouvelles, quoi, qui tombent au fur et à mesure, des dépêches. Oui, n'oubliez pas de placer vos bibilles. Ah, oui. Ouais, j'ai la tête ailleurs. Ah, le train de marchandises renversé. Ouais, ouais, j'ai vu ça, ouais, dans ma région. Ouais, ouais. Vers, je sais plus, ils avaient dit vers 5h45 du mat. Il y a le train qui a basculé. Et, ouais, ouais. Qui a bousillé toute la voie et le grillage alentour. Mais heureusement, il n'y a pas eu de blessés, c'est plus important. Non, d'ailleurs, dans ma région, le dernier accident ferroviaire qui est troublant. Alors, il y a eu un Igo qui voulait faire des photos et qui est monté sur un wagon pour essayer d'avoir un grand point de vue. Et évidemment, il s'est produit ce qui s'est produit. Il s'est pris une châtaigne qui aurait pu lui être fatale de là où il y a la caténaire qui. Ou le caténaire, je sais plus si on dit là ou le. Mais non, le plus troublant, c'est les militaires qui faisaient un exercice et il y a un soldat qui s'est fait renverser sur la voie et qui est mort, percuté par un train. Ça s'est passé il y a moins d'un an dans région Lorraine. Voilà, gros point d'interrogation. On a perdu un soldat en exercice, enfin en entraînement, de manière... Enfin, on choisit pas sa mort, mais cette mort-là est vraiment... très regrettable. Alors, la caténaire, dit une scène, c'est 25 000 volts. Ouh ! Tu m'étonnes que ça tue sur le coup. Ah ben... Il y avait Gilbert Beco. Hein. Il y a son esprit. Hein. Non, mais... François. Pas malin, ouais, ouais. Pas malin, le jeune. Non, moi, ce qui me fait mal aux tripes, et il y a des moments où je comprends pas, c'est... Alors là, ça remonte à 5, 6, peut-être 7 ans. Mais moi, ça m'avait choqué quand j'avais lu ça dans mon journal local. Alors, pardon, c'est pas une nouvelle drôle... puisqu'il y a mort d'un jeune. En fait, le jeune, il sortait de soirée, il était un peu trop imbibé, et il a fait le con, il s'est peut-être cru dans Far Cry, allez savoir. Il y avait une grue de chantier à Nancy, et il s'est dit, bah, je vais me prendre en photo au sommet. Bah, il a dévissé en étant pimpette, et 10 mètres plus bas, terminé. Ouais. C'était un jeune qui était en formation pour être ingénieur, bac plus 5, je sais pas quoi, je sais plus quoi, je sais plus quelle spécialité, parce que ma ville est une ville d'étudiants. On a beaucoup de belles écoles, grandes écoles à Nancy, on a cette chance. Et moi je me disais, mais gâcher une vie avec un tel potentiel intellectuel en plus. Ah, j'étais dépité. Il y a pas mal d'idiots qui sont morts en se prenant en selfie sur des monuments. Oui, 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 il y a des morts, j'ose pas dire célèbres, mais qui sont tristement connus, justement, comme tu dis, pour des selfies, qui disent « Oh, le paysage est magnifique », et puis qui tombent du haut de l'immeuble ou de la falaise. Oui, oui, oui. Oh là là, à travers le monde, il y a eu des centaines de morts, rien que pour une photo. Oui, ça veut dire quoi dans le statut? J'ai fondeur, modérateur et...
C'est-à-dire quoi, je suis un fondateur. Fondateur. A... Non, toi, tu fais partie des premiers abonnés. T'as l'icône 1ST pour First en anglais. Tu faisais partie des premiers à t'abonner à la chaîne. Oh. Et c'est pour te distinguer comme quoi, historiquement, par rapport au canal, tu fais partie des tout premiers à la création de la chaîne. Oh, c'est pour mettre en honneur ton... en avant ton ancienneté par rapport au canal. Je crois que c'est les 10 premiers. Les 10 premiers qui contractent un abonnement sur une chaîne sur lequel il y a eu le statut d'affilié qui a été validé par Twitch, les 10 premiers abonnements te donnent l'exclusivité intemporelle mondiale, on peut le dire. Tu as le statut de fondateur avec l'icône 1ST pour First, premier en anglais. Et voilà, c'est ta petite icône près de ton épée. Ça veut dire que t'étais là depuis le début. Alors, pardon, Léotech, Fanfan, Aerostar, moi-même et Pierre Troutman. Bah alors, Pierre, t'as fermé la marche. Arrête, il va prendre la grosse tête, dit Twinsen. Mais non, mais non. Quand je suis arrivé, il n'y avait rien. Et puis, il y a tout. Voilà, je suis arrivé, on a mis l'eau, on a mis l'électricité, on a Il y a le docteur Boutique qui a posé le compteur. Depuis, j'ai des factures avec plein de 1 qui suivent. Voilà, et puis Léotech est arrivé. Enfin, je ne sais pas quel pseudo il s'appelle, Chito Bob ou un truc comme ça. Et puis après, on a fondé un truc. C'est ça. N'importe quoi. On a même construit une maison pour Twinten. Ça nous a fait un scandale parce qu'il y avait des jeux FPS avec une manette. Ah là là. Il fallait des PS4, alors là, il fallait vite les lever, sinon il allait tous les jeter dehors. Hein. Ah là là, c'était horrible. Bon, apparemment, ce tracé va être vite expédié en une minute. Alors, Loot 86 Sunshine. Fait par Groseille, gros bisous, en moins d'une minute, ah ouais, 45 et 824 français, ah ben, j'appelle Groseille, ouais. Oh oh oh, j'ai peur que ta bille finisse mal, Aerostar. Oh! Oh! T'as frôlé l'arrivée en chute libre! Ouah, la flip! Mais j'y ai cru! Ouah, t'aurais pulvérisé le record du tracé. Bah, je pense que c'est comme ça que ça se fait d'ailleurs. Pour expliquer les 45 secondes, c'est énorme. Il est devenu aérosol. Oui, bah aérosous-sol, parce que là, il est en dessous, il est dans les limbes, malheureusement. Oh mon dieu. Alors, dans ce fricassé de glaçons, ouch. Ah bah, tout le monde est décongestionné, là. Ça y est, c'est reparti. Ah, arf. En effet, il est pas en mode intelligence là, il est fatigué déjà. J'ai l'impression qu'il te boude. Ah là, Westbot te boude. Tu vois, il y a Roster, il en rigole. Bah, là, on va apprendre que Westbot fait grève aussi pour la réforme de la retraite. Ah, j'espère qu'elle va bien, Weneda.
Alors, c'est vrai que j'ai moins en moins de temps pour mettre un coup d'œil en semaine à Twitch. Waneda qu'on embrasse, elle est adorable. Mais... Alors, on lui souhaite le meilleur, parce que sans donner de détails, hein, c'est sa vie privée, mais normalement, elle devrait avoir... Elle devrait épouser prochainement une nouvelle vie professionnelle. J'en dirai pas plus, après c'est à sa discrétion, mais évidemment, hein, cher Waneda, on lui souhaite le meilleur. Oh, c'est comme Récif. Récif, ça fait des mois qu'on l'a plus vu. Il se connecte plus et je pense lui aussi, c'est pour épouser pleinement sa nouvelle vie professionnelle. Tant mieux, c'est une chose heureuse. Mais bon, on a le regret de ne plus pouvoir interagir avec lui. Il est dans le corail. Oui. Bien sûr, tu une scène. Il est dans le cirage. Mais oui. Alors, oh merde, j'ai gagné la course. Ah, je suis vide Léotech, Pierre, Funfan. Ah, Aerostar, t'es... Ah bah oui, c'est vrai. On avait vu ta chute de fou furieux dès le début. Qui aurait pu être un exploit. Mais si je jouais pas grand-chose. Que ah, c'est peut-être vicieux. Peut-être qu'avec moi, il est en grec. Je vais essayer avec Léotech. Re, Tomouf. Si le cœur t'en dit, Tomouf, n'hésite pas à placer ta bibi avec point d'exclamation, play. Hic. Oh, dis pas que tu gagnes jamais à ce jeu, Pierre. La chance finie. Il a toujours pas retourné. J'ai failli te faire la Franck Ribéry, c'est la roue tourne qui tourne. Mais l'idée est là. Ouais, je crois qu'il est en mode, il répond ton IA à toi, il a pas envie de faire marcher. Peut-être que week-end, il y en a trop de demandes, là, et ils n'arrivent pas à fournir, je sais pas. Alors, j'ai une théorie plus grave pour Westbot ce week-end, mon cher Funfan. Il s'est passé un événement ce matin, il y a je sais plus qui m'a fait le plaisir de faire acte de fidélité, follow the channel, c'est-à-dire suivre mon canal, et mon alerte, je ne l'ai jamais entendue, elle ne s'est jamais déclenchée. Je me demande si Wisebot n'est pas désactivé pour ce week-end, ou du moins la moitié des fonctionnalités a dû être désactivée pour de la maintenance ou de la reprogrammation, je ne sais pas quoi. On verra demain. Faudra réessayer demain. Faut mettre un point d'interrogation, Twinsen. Moi, je dis, les IA ont droit à prendre quelques jours de congé aussi. Ça permet d'entretenir et refroidir les circuits. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'en avais déjà parlé sur mon canal. On parle évidemment des droits de l'homme. Et on parle aussi des droits des autres animaux. Mais au Japon, ils ont une troisième législation, le droit des robots. Et je déconne pas, les androïdes sont protégés par la loi japonaise. Et il y avait déjà eu, il y a plusieurs années de cela, une condamnation d'un japonais, d'un citoyen nippon, pour avoir maltraité et endommagé un androïde qui était programmé pour le servir. Et le dit japonais en question avait été insatisfait soit de l'exécution de sa requête ou du fait que c'était un androïde et il avait fait de la discrimination, il voulait être servi par un semblable humain. Et ben il a été condamné par la justice japonaise, alors à je sais plus quoi, au moins une forte amende, je sais plus s'il y avait eu de la prison ou autre chose, mais il avait été condamné assez sévèrement, je m'en souviens. Pour avoir endommagé et malmené l'androïde qui était programmé pour le servir. Le droit du chat. Non mais le droit du chat, voilà, parmi les animaux autres que l'humain. Les chats, évidemment, en font partie. Pierre Troutman te dit, je ne savais pas, à partir de maintenant, je serai plus gentil avec Nashevman. C'est moche les vacheries quand il n'est pas là. Il a quand même un droit de réponse. Mais reviens demain. Demain après-midi, tu sais, quand je présenterai la balade, ça a pas mal de succès sur mon antenne et je vous en remercie. Oui, on lui dira. Mais je pense qu'il sera là. Et tu pourras te chamailler avec dans le chat pendant qu'on regardera la suite de notre promenade. Oh non, il aime ça. Il est
Et qui c'est qui disait qu'il perd tout le temps? Hein? Si c'est pas beau, ça? Ah, GG, good game. Tu vois, belle victoire, fan. Pierre Troutman, pardon. Si seulement ça pouvait être vrai. Eh, hey, t'as pas démérité, t'as mis secondaire et seconde. Ah ouais. Tu dis ça d'un air désabusé. C'est moche. Alors ah, je détestais oui. Nashevman et maintenant je le hais, je rigole. Ah bah c'est bien, c'est un beau chrono en plus, c'est cool. Alors, Léothèque des Villes Olives, ensuite hors podium, il y a moi, Funfan. Ah, Aeroster, tu me fermes la marche. Superb Special Map. Bon bah voilà, à partir de l'écran de chargement, vous pouvez placer votre bibi avec point d'exclamation play, si le cœur vous en dit. Et je... Point d'exclamation play pour placer votre bibi sur la piste. Et je réédite mes voeux de bon appétit à tous ceux qui ne, enfin qui nous regardent avec, en étant à table, et en croquant un savoureux morceau. Oui, Funfan. Ils nous regardent avec gourmandise. Vu qu'ils sont à table. On peut le dire comme ça, la formule est généreuse, oui. L'idée est là. Ah là 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 là. Je sens Goyard de la téléportation. Quand on voit ça là en bas. Ouh, il va y avoir de la téléportation dans l'air. Alors, Devil Olive, t'es où? Ah, tu es là. Qu'on suive un peu ta bibille. Pareil, je pense qu'elle doit être débordée. Et puis, ça doit être dur du côté de la Belgique hein, par rapport à l'inflation. On avait déjà parlé ici. J'ai plus de nouvelles, entre autres, de... Ça y est, trou de mémoire. L'adorable prof belge qui est responsable dans une assoce, ou du moins soutient une assoce de, d'aide pour les chiens. J'ai un trou de mémoire. Ça va me revenir. Elle est adorable. Si je suis premier, dit Pierre Troutman, je vous dis tout sur fond de Guillaume. Non, tu vas pas remettre ça, pitié. Oh là 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 là. Ah, il est allé se voir chez les Grecs. C'est tout ce qu'on sait, ou plutôt tout ce qu'on doit savoir sur lui. Et voilà. Vincent, il y a d'autres questions plus hésitantielles en ce moment. Hein. Non, mais je vais pas te fournir de réponse. Il a abusé de ses chèvres. J'ai mangé de la purée ailleurs. Est-ce qu'elle a été meilleure? Non, mais je pense que à part toi, je pense que tout le reste, ça ne les intéresse pas. Donc, j'ai pas à répondre à cette question qui n'est pas existentielle pour le monde entier. Le monde, là, je peux le dire sans fou. Merci d'essayer de m'aider, Aeroster. Mais c'est ma mousse qui m'endort là, qui m'anesthésie. Mais non, c'est pas en Cousia que je connais très mal d'ailleurs. À l'avenir, je serai probablement amené à plus la découvrir en Cousia. Non, c'est pas en Cousia, c'est Tira. C'est Tira qui est prof en Belgique. Et qui aide les chiens. Elle verse tous ses fonds Twitch à une assoce d'aide à l'espèce canine en Belgique. Tira, elle est adorable. Le peu que j'ai échangé avec elle, j'adorais. Et depuis peut-être un an déjà, le temps passe si vite.
Elle a cessé d'émettre, elle a plus le temps, elle peut plus, elle a peut-être plus les moyens, c'est ça qui est terrible. Une pensée pour Tira. Eh oui, Tira. Ah, Léotech retardataire. Oh, bah alors! Et de deux, Pierre. C'est ton heure de gloire. Profite. La première, elle est oui pour Pierre. La deuxième, elle est pour Troutman. La troisième, elle sera pour Pierre Troutman. Deuxième, Devil Olive. Bien, trois, moi-même. Alors, quatrième, Aerostar, puis toi, Funfan et Léotech. Tu fermes doublement la marche, Funfan. Bon, je vais tout vous dire. C'est vrai. Oh non, c'est vrai, en plus, oui. J'avais oublié ta promesse. Aïe, aïe, aïe. Oh, après, tu te fais attaquer par une diffamation, il n'est pour rien. Oui, ouais, c'est pas faux ce que dit Funfan. Point d'exclamation play, mais je suis troublé par la forme de la course. C'est très original. Je ne ferai pas le clip, monsieur Béville. Je ne fais que des clips à Magloire, parce que Corée du Nord oblige. Hein. Ah oui, moi je suis... En vrai, moi, je suis pas la Corée du Nord, je suis la Chicorée du Nord. C'est déjà bien. Elle est pas mal, celle-là. Ah, oh, faudrait qu'elle soit une femme. Ah, il a fait les cheveux longs, hein, donc... Après, pour le reste, on veut pas, je veux pas savoir. Moi, je m'attendais à un truc plus croustillant, mais bon, on va se satisfaire de ça. Oh pitié, ne provoque pas la surenchère, ne provoque pas Pierre, s'il te plaît, Funfan, non. Non, mais Pierre est raisonnable. Oh oui, oh oui. Oui, malheureusement, je crois, la plupart d'entre nous le savent. Oui, mais non, s'il te plaît, observe le silence, Pierre, je t'en supplie. Oui, parce qu'on ne veut pas être attaqué en diffamation. C'est ça. Voilà. Dans ces cas-là, c'est celui qui a écrit les propos, mais celui qui les a dit. Oui, merci Tomouf, oui, t'as raison, je suis mal. Je suis en train de me... Aïe, je suis en train de me prendre le pied avec mon club audio. Le tracé invisible. Et t'as vu, il y a Léotech, Twitter, c'est le nouveau compte secondaire. Je sais que tu l'aimes bien, Léotech. Alors, Formidi, Sporling, Tingol, et c'est Préder qu'il a en 2.15, 861. Mais entre nous, je vais saluer l'adorable Poupon. Attendez, il faudra que je fasse sa pub à Poupon. Je sais que c'est pas trop son truc, mais moi je dis qu'il mérite parce qu'il est adorable. Poupon 29, pour ceux que ça intéresse. Bon, il diffuse en général en soirée. Mais tu t'en es remis, Funfan, de la soirée d'hier soir où il nous a fait une projection cinématographique d'un film très très bizarre, américano-chinois. Non. Tu t'en es pas remis toi non plus. Mais le pire, c'est quand je me suis réveillé ce matin, j'avais encore des images de films dans la tête. Ça m'a traumatisé. Là, l'espèce de voyeur, là, la créature en sphère qui lévite et qui a 10 yeux de formes différentes. Ça m'a traumatisé, cette chose. C'est Twin Peaks. Oui. À dire avoir deux billes pour la même personne, c'est de la triche. C'est deux mêmes chances d'arriver à la fin de plus que d'autres. Et quand toi tu utilises Jazam pour les jeux musicaux, c'est pas de la triche aussi? Donc balaye devant ta porte. Hein. Déjà trichement Monopoly et compagnie, après on verra. Je ferai des efforts de mon côté aussi. Délit de trichure. Il y a une différence entre la mienne qui est avérée et que tout le monde sait. Toi c'est tous les jours. Ouais, mais si tous les jours il y avait un concours de musique, tu utiliserais Shazam. Donc... Et en plus la différence c'est que Shazam... Tout le monde ne le sait pas. Là, à peu près, tout le monde sait que c'est ma seconde bille. Donc, il y a une tricherie avérée que tout le monde sait, qui n'est pas un secret de Polichinelle. Alors que quand toi, tu dis Shazam, tout le monde le sait pas. Donc, c'est plus vicieux, tu vois. Surtout qu'en plus, il n'y a rien à gagner. Donc, je ne vois pas en quoi ça change. Blablabla. Ben oui. Là, quand on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi dire. Il y a une différence entre... ceux qui trichent, mais que c'est ceux qui se donnent un bonus et ceux qui trichent. Toi, t'es un tricheur, moi je me donne un bonus.
s'il y avait un réel... D'ailleurs, quand chez Torota, il y avait à gagner un vrai truc, moi, j'ai dit que mon compte secondaire, il comptait pas. Il allait directement au deuxième, donc j'ai eu mon honnêteté. Voilà. Même si on va pas en Même aussi, la personne a pour m'avoir très bien remercié de l'avoir gratifié. Passons. Mais ouais. Néotech, moi-même, Fun Fan, podium. Ensuite, Pierre Trunban, 4ème, et Devil Olive ferme la marche 5ème. Fun Fan est un tricheur honnête. On va dire. Ah oui. J'aime bien la formule. Point d'exclamation play pour placer votre bibi sur la piste. Eh, hey, mais c'est un nouveau fond celui-là, je ne connais pas le stade. En plus, on est pas beaucoup, donc si on lève ma bille secondaire, on sera encore moins nombreux. Oh. Si encore il y avait une vingtaine de personnes, pourquoi pas, mais là... X-Lan, Sith, Vive, et un Hi, un 02, 14, 534. Mmh. Après, rien ne t'empêche pour une chaîne de créer un compte secondaire et de le mettre. Hein. Le problème serait réglé. Hein. Tu l'appelles concept révolutionnaire. Hein. Oh. Aïe, aïe, aïe. Peut-être que je vais le renommer concept révolutionnaire. Hein. Mais non, c'est pas moi qu'il faut suivre. Bah, voilà, honneur aux invités. Ah oh bah, les ministres, ils mentent, ils trichent, ouais, bien sûr. Tu peux pas, tu as rien vu pour le moment et tu sais pas pour le contenu. Ah oui, oui, oui. Ah, t'as oublié de te rajouter sur la course. Donc, dis, 2-14, ça va. Une course rapide. On veut des preuves, dit Pierre Troutman. Ah oui, donc, Twinsen, un jour, il va streamer, j'en suis sûr. Et ensuite, il streamera avec un concept. Et tellement révolutionnaire qu'il fera plus d'audience qu'à Mourant. C'est un sacré défi, hein. Truc jamais vu. Un tiens, truc tiens, tiens. Ta ligue principale a de l'avance, Fun Fan. Mais le problème, c'est que t'es pris dans la boule à l'auto, là. Peut-être qu'il sait, il va streamer avec Franck. Ils vont buter Franck. Quelle drôle d'idée. Oui. Non, mais c'est pour titiller Pierre Troutman. Aïe, aïe, aïe. Peut-être qu'il va se trier avec un clan de célèbre Twinsen. Oh, j'aime bien la destinée de la bille d'Aerostar. Je vais aller chercher le Fun Fan, je vais le mettre dans une piscine et des bouées et je commande. Oh. Tiens, comment Caro fait les avances d'un animal. Pierre. Ah. Aïe. Mais qu'il est bête, mais ça va pas. C'est vrai en plus. Ah là 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 là. Mais métaphorique. Ah. Je suis pas sûr que ça, même si Twinsen tu le fais, tu vas avoir beaucoup d'audience. Hein. Surtout en ce moment. Oui, je pense, oui. Mmh.
Moi, sûr. Ah non, t'inquiète pas, c'est pas moi dans une piscine qui te fera une audience de ouf. Hein. Eh bah, bien joué, Roster. Tu remportes cette piste, suivi de Fun Fan et Pierre Troutman. Ensuite, hors podium, moi-même, David Olive et Léo Tech qui ferment la marche. Avant-dernière course de ce Grand Prix. Point d'exclamation play. Vous connaissez la formule. Moi, je suis sûr que Twinsen, il fera ton concept du tableau mystérieux révolutionnaire. Mais avec que des célébrités. Avec une bouche, des cheveux, tout ça, et on devra trouver qui est la célébrité. Alors, ce concept-là, et tu apprendras que ce que tu viens de dire m'avait inspiré le tableau mystère, mais en fait, le tableau mystère, il le faisait lui-même sur sa chaîne, c'était le Ronan Le Toqueux, alias Read Me Up, qui aujourd'hui bosse pour la chaîne de TDRT, et qui avait fait avec son compère Cœur de Vandale les Speed Games sur jeuxvideo.com, où justement il parlait des speedruns, le fait de finir un jeu de la manière la plus rapide possible. Et il l'avait sur sa chaîne Twitch, et moi j'avais adoré sa chaîne Twitch, c'est dommage qu'il ait plus le temps pour ça. Il avait l'équivalent du tableau mystère que je vous propose moi aujourd'hui, il le faisait. Et je vous cache pas que je lui ai shippé l'idée. Elle était excellente. Bon, je l'ai fait à ma sauce, mais l'idée de base était là. C'était à partir des captures d'écran des jeux vidéo, on devinait le nom. Et c'est très rigolo. Et il faisait comment il appelait ça? C'était pas des pastiches. Il appelait ça pas des cartouches, pas des pastiches, mais des... Il y avait un terme qu'il employait. Il faudra demander à Pile ou Crapou. J'ai oublié le terme. Et effectivement, le portrait des stars était divisé en trois. Il y avait donc le front, juste le front, les yeux avec le nez, et puis la bouche et le menton. Et il fallait, postiche, je sais plus c'est quoi le terme, du pastiche certainement pas, mais non, mais non. Mais oh, sympa la forme de toboggan du parcours. Et il y en a pour 3 minutes au moins. Non, une ganache. Il appelait ça une ganache. Ça me revient. Il appelait ça une ganache et puis il fallait deviner les trois personnalités qui étaient fusionnées en un seul visage. Et il y avait parfois des compositions, ça faisait peur. Il y avait des monstres générés. Et, c'était extra. Mais comme moi, je suis pas people, je connais rien au cinoche, à tout ça, je peux pas vous le faire parce que je serais pas fichu de vous expliquer qui est qui, donc ce serait abscon, ce serait creux, j'aurais rien à dire. Donc je me contente de ce que je connais, que sont les jeux vidéo. Mais pourquoi pas, si d'autres sur vos canaux vous êtes inspirés et que comment dire, vous souhaitez composer ça sur votre chaîne, alors je vous préviens, c'est du boulot. Mais c'est génial à proposer ça sur son public, sur son antenne. Mais une fois que vous avez bien préparé votre atelier, virtuellement parlant, dans votre arborescence, la manière dont vous organisez vos fichiers sur votre ordi, vous mettez les images brutes que vous avez récoltées d'Internet, il faut déjà faire la récolte, la moisson. On peut parler d'une moisson, un peu comme comment on appelle ça j'allais te faire un clin d'œil à Roster avec Mass Effect, avec les moissonneurs, c'est le cas de le dire. Tu fais ta moisson, tu récoltes la substance principale que tu souhaites dans le milieu consacré qui est Internet. Tu en extrais de cette base Internet mondialement connue les images que tu souhaites. Après, tu fais deuxième étape, tu fais ton chantier, c'est-à-dire que tu fais tes compositions graphiques dans le logiciel avec lequel tu es à l'aise en composition graphique. Personnellement, moi j'utilise GIMP. GIMP qui est l'équivalent gratuit de Photoshop, le très célèbre Photoshop. Et une fois que vous avez fait le photomontage, moi j'utilise OpenOffice, donc un tableur, l'équivalent en payant c'est Excel, où j'organise bien mon tableau en disant c'est tel jeu pour tel numéro de tableau, telle personne a donné la bonne réponse à telle date avec X points. En gros c'est comme ça que j'ai ma fiche tous les dimanches soirs pour le tableau mystère. Vous n'avez plus qu'à animer
et à préparer votre scène dans OBS pour votre chaîne Twitch en direct et présenter votre composition et faire jouer votre public, c'est que du plaisir derrière. Alors c'est le boulot. Initialement, moi, je compte pas les heures. Je serais incapable de vous dire le nombre d'heures que j'ai passé à composer mes 100 premiers tableaux mystères qui étaient des jeux PC DOS là, pour ma première saison, ma première année sur Twitch, qui était l'année 2022. Je sais que j'y ai passé pas mal de temps par petits bouts. Je m'y suis pris un an à l'avance avant de me lancer. Je vous avais expliqué à l'époque. Et dernière course du Grand Prix, allez-y, n'hésitez pas. Allez-y pour le point d'exclamation play. Et une fois que vous avez bossé, bah, après l'effort, le réconfort, comme on dit, la bonne formule, vous avez plaisir à jouer avec votre public, à vous éclater à point ça. Point d'exclamation play pour placer votre bibi sur la piste. D'un tableau mystère. Tu as fait plein de dessins et vous essayez de décrypter. C'est un concept. C'est un concept. Parfaitement. J'essaie de savoir si j'ai fait un jeu, une maison. Par contre, les réponses, un dessin de fan sera interdit. Hein. Oh. Ah oui. Oups, allez, je me joins à vous. Ah oui, oui, to start, pardon. Le dessin mystère de fan. Mmh. Bah, ça fait trop long, mais. Ben, fais-le, tu auras un nouveau concept. Non, non, mais. J'attends de voir le tien, Twinsen. Non. Voir ce qu'on se va faire pour ensuite voir si tu peux faire mieux ou pas. Oh, j'aime bien la musique techno. C'est quoi qui passe? Attendez, je vais regarder. Gronak Improgora Trance. J'aime bien la musique. Eh ben, je vais me faire une bonne soirée techno ce soir. Quand je serai hors antenne à essayer de composer un... Enfin, pas composer, mais à éditer un nouveau parcours de 18 trous en golf. Je vais me faire 100% plaisir. Je vais mettre de la techno. En... Voilà. C'est bête, hein, mais j'ai vraiment envie de me faire plaisir ce week-end. Et je vous en remercie par votre présence. Hein. Vous savez à quel point ça compte pour moi. Déjà en journée, dans cette journée de jeu. Mais j'ai besoin de récupérer. J'ai une semaine... qui m'a rendu fou. Alors là, je suis bien content d'avoir le lundi férié en plus. Donc c'est du temps bonus pour passer du bon temps ensemble. Et aussi un peu dans mon coin, comme vous, je vous le souhaite, bien évidemment. Alors Pierre, tu dis, j'avais récupéré au Stade de Nœud, donc aux États-Unis, le premier vinyle techno de Black Baxter. Yeah, c'est la classe. Ibé. En 87, j'avais 5 ans. Oups. Oh mon dieu, c'était une époque où j'avais encore des petits petons. Bibi. T'avais récupéré une cinquantaine de copies, ouais. Bien vu. Bien vu, bien vu. Oh non, t'as chu dans les limbes, Pierre. Oups. Tabi a suivi une mauvaise trajectoire. Enfin, observé une mauvaise trajectoire. Enfin, si on peut dire suivre aussi en français. Ça me fait flipper de voir en translucide le... non texturé, ça fait bizarre. Alors, j'ai retrouvé des Jeff Mills, Mark Broom, Jaren Hells, Hemek, Cybertron. Alors, Jeff Mice, ça me parle. Les autres, ça me parle pas. Je te dis honnêtement. Alors, tu une scène. Tu dis après Avatar 3, James Cameron va ressusciter la licence Terminator. Oh, tu me fais peur. Tu me fais peur, tu une scène, parce que si j'ai deux licences qui me tiennent cher à mon cœur, c'est The Matrix et Terminator, la récente réinterprétation de Matrix,
Je veux pas le voir parce que le peu que j'en ai entendu, c'est un désastre. Et là, s'il réinitialise Terminator... J'écoute quoi en techno en ce moment? À part les œuvres libres sur le site Dogmazic, rien. La dernière œuvre techno que j'ai dû écouter par nostalgie, mais dans les titres, on va dire, dans le commerce, dans le circuit classique, si je puis m'exprimer ainsi. Bonne question, ça remonte à un paquet de mois. Alors Moby, j'ai dû me faire un rappel de Moby il y a moins d'un an. Moby, j'adore. Richard Melville, de son vrai nom, Moby. Je suis sûr que j'adorerais converser avec ce mec. Je sais pas pourquoi, mais Moby, j'ai toujours bien senti. Je suis persuadé que j'adorerais bavarder avec lui. Mais bref. Oh! Fichtre. Bah c'est bien, Roster, tu rends pas de cette piste. Mobilette, oui. Alors, sans Arnold et sur un fond d'intelligence artificielle. À voir. Tomouf, tu nous dis... Oula, Aerostar, tu dis oui, il y a un descendant d'Herman Merville. Oui. Tomouf, tu dis Moby qui a fait un nouvel album il y a peu. Oui, très productif, Moby. Plus que moi. Il est très fort. Moi, je suis... Bah, Pierre le sait, de temps en temps, on en discute entre nous. J'étais parti il y a un an à pondre un quatrième album. Et puis, j'ai pas continué. Ça reviendra. C'est en réserve, ce que j'ai déjà composé. Mais... je force pas l'inspiration. Faut que ça vienne naturellement. Et là, je suis dans le vide. Enfin, c'est un autre sujet. Oui, alors je reviens à la question première de Pierre, qui disait quel est le dernier titre techno que j'ai dû écouter. Alors qu'on se dirige vers le podium du Grand Prix, après 16 courses. Voilà, Aerostar, oui. Le Tech Fun Fan, moi-même et Pierre Troutman qui a pas rallié l'arrivée. Ouch. Et Moby, en plus, il va plus vite que les autres, parce qu'il marche pas. Il est lette. Oui, il est en mobilette, oui, merci, bravo. Et il écrit aussi des lettres. Fed, au secours. Bon, Aerostar, deuxième. T'étais troisième, hein, je précise, le fan, et ton compte secondaire est premier. Mais c'est n'importe quoi. Oh mon dieu. C'est la justice. Oui, bien sûr. Là, j'ai envie de dire, elle en balance bien, la justice. Hein, ça parle mal. Bon, allez, je vous aime bien. On va se faire les classiques. L'ambiance est bonne. On va se faire les classiques, mais 8 petites courses, mais je suis ouvert au vote. Si vous avez une piste qui vous plaît, que vous connaissez, vous faites point d'exclamation, vote, espace, suivi du numéro de la piste. Bah, allez-y. Bah, on va mettre le Dojo et Marble Sanctuary. Ah, la 11e, la favorite de FunFan, l'œil du cyclone, Eyes of the Storm dans la version originale, Hard Landing, ah, pour les Hotech. C'est malin, je crois que c'est la 22e. Ah, mais oui, ça va de soi. Ah ouais, mobile à des vinyles, je savais pas, Pierre Kitman. Ah si. Ah, Moby, c'est une perle, Moby. Tu sais que Moby a fait beaucoup de musique de pub. À travers le monde, hein. Il n'y a pas que la France. À travers le monde. Moi, l'œuvre que j'adore de Moby, c'est Porcelaine. Ah, vous m'écoutez Porcelaine de Moby, vous aurez une idée de ce que j'adore. Moby l'homme. Tu es une scène. Ah. Et il y a Moby le femme aussi. N'oublions pas le mobile du crime. Du coup, oui, un Infected Mushroom. Je mets 10 minutes à répondre à Pierre. Enfin, c'est de la trance. C'est plus de la trance que de la techno. J'ai envie de bouger. Infected Mushroom, qui est un groupe extra. J'adore leur compo. C'est de l'électro-rock d'ailleurs.
enfin de la trance rock, c'est une tuerie. Souvent, quand je fais des voyages ou des promenades avec ma frangine en bagnole, on s'écoute Infected Mushroom. On aime beaucoup. Je vais faire ça. Et puis, une dernière. Et puis, une dernière. J'ai écrit ma vulgarité dans le chat. Oh, le vilain. Canaillou. Allez, go, c'est parti. 8 petites courses, on va faire durer le plaisir. Et puis après, je vous laisserai, je mettrai déjà 21h, je mettrai en lumière quelqu'un d'autre sur Twitch. D'ailleurs, je crois avoir ma petite idée sur qui je vais mettre en lumière ce soir. Parce que le pauvre, je le vois pas souvent. Mais allez-y, c'est pas pour maintenant, point d'exclamation play. Oh tiens, le record local est détenu par un certain FunFan. Point d'exclamation play pour placer votre bille sur la piste. Donc la map, oui, s'appelle Hand Lenny et le record mondial est détenu par JTED en 1.07. Le record local détenu par FunFan en 1922. Oui, Pierre Troutman, je suis d'accord. Les pochettes des disques aussi sont très bien travaillées. Ils sont vachement psychédéliques chez Infected Mushroom. Bah, c'est rigolo d'ailleurs, je repense à toi, Heroster. Parce qu'il y a longtemps, sur je sais plus quel de tes directs, je crois que c'était à l'époque où tu jouais à Donjons et Dragons. Non. La petite fille qui doit récolter des fraises dans des environnements, des tableaux à pic, où c'est pas Jump King, mais c'est pas loin. Céleste. C'est à l'époque où tu jouais à Céleste, à Heroster. Ouais, voilà, c'est ça, merci, à Heroster. Merde, j'oublie de mettre la caméra sur vous. Voilà, t'es là-bas. Je sais plus comment on était arrivé là. Je crois que c'était sous le jeu Céleste, dont la BO est extra et que j'ai acheté officiellement l'album musical. Oh, j'adore la musique de Céleste. Autant le jeu, moi je me vois pas y jouer parce que c'est pas mon genre de jeu. Autant la compo musicale, c'est une tuerie, c'est un chef-d'œuvre. Je voulais dire. La mousse est en train de faire effet au niveau de mes neurones, c'est en train de disjoncter dans ma caboche. Aerostar, tu dis ma musique préférée de Moby, c'est God Moving Over the Face of the Waters. Eh ben, je me l'écouterai ce soir parce que je ne sais plus à quoi correspond la mélodie. Merci à toi. Je me l'écouterai ce soir. Prends une deuxième, ça ira mieux. Je te reconnais bien là, tu une scène. Tu pousses les vis à leur extrême. C'est vilain. Ah là là. Une mini mauvaise nouvelle, parce qu'ici, on ne pense pas qu'on est concerné, mais ah. Je la dis pour meubler. Oui. La danseuse de Just Dance qui s'appelle Dina, qui est également sur Twitch. Connais pas. Championne, connue principalement pour ça. Pendant 5 ans, elle a été invitée à la Paris Game Manga, un truc comme ça, et à la Japan Expo, pardon, excusez-moi. Et là, cette année, elle a été refusée. Et elle est triste. Après 5 participations d'affilée, 5 années, elle n'a pas été acceptée. Les organisateurs voulaient faire tourner les. Voilà. Elle dit que son organisation n'est pas valide, n'a pas validé sa venue. L'organisation n'a pas validé ça. Donc elle est. Ah bah c'est un beau podium, ça. FunFan, Aerostar, Léotech. Il va aussi pour Pierre Troutman, Aero, Dibouli. Wow, Pierre, il est plus là, il est reparti déjà. Je sais pas, il a ses occupations. Enfin, n'hésitez pas à appeler votre Bibi si le cœur vous en dit, bien évidemment. Si il est là. Ah si tu es là, pardon Pierre. Tu fais de la paperasse. Ouch, bah bon courage. Donc, je sais plus, je me suis perdu dans la conversation.
Et ben je sais plus. Parler de Céleste, des CD. Je viens de te lire, fun fan, avec du retard. Est-ce que Moby a un gros dick? Bravo. C'est malin. Mais c'est vrai qu'il, je crois qu'il est l'arrière-neveu ou petit-neveu de, justement, de... C'est pour ça qu'il a pris ce pseudo de l'écrivain. C'est malin, ça. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, effectivement, par rapport au héros, on peut dire qu'il fréquentait les milieux aqueux. Elle était facile. Oui, Herman Melville, oui. Oui, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Aerostar. Oui. C'est n'importe quoi. Allez, mais, bah, tiens. Il adore les pianos aussi. Oui, les pianos à 1. Merci. Ah, c'est moi que tu vas laisser sur la touche après ce genre de vanne. Aïe, aïe, aïe. Ah. Oh, ça me fait plaisir de le lire. Leur corps local est tenu par un certain Dragon Sky. Qu'on salue. Dans l'œil du cyclone, Garbik qui l'a en 01-26-04. Alors, dans l'œil du cyclone, c'est en anglais. Et Dragon Sky en 1-40. Ouais. Mmh. C'est ça. Ouais, Herman Melville, ouais, ouais. Mm. Ouais, tu l'avais déjà précisé tout à l'heure, Aerostar, merci. Elle, 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 elle. Youhou! Allez, où? Dans le siphon. Moi, je connais Herman Hurt, mais c'est tout. Mmh. Je sais même plus ce qu'il a fait dans sa carrière, mais je pense que c'est un acteur. Ah, ah, ah. Alors là, c'est la phase traîtresse du parcours. Bien joué, Rooster. Parce que, voilà, il y a des morts. Léotech, c'est terminé. Alors, dans Monkey Island, Twinsen connaît un Herman. Bah, Monkey Island, qui est le célèbre jeu point and click d'aventure, j'avais démarré le premier et je suis pas allé loin. Et du coup, j'ai jamais relancé. Alors que j'ai la chance de l'avoir, mais je sais que c'est un titre d'anthologie hein, à faire. Mais j'étais trop imbécile, j'étais bloqué. Je me vois déambuler dans une ville qui faisait assez vieille ville, qui était très classe. Et je sais plus, est-ce que j'étais rentré chez un libraire ou je sais plus quoi. Et les 2 et 3 sont bien meilleurs, ouais, mais tu vois, j'ai voulu faire dans l'ordre. Et comme j'ai pas passé le premier, bah je suis embuté dessus. Et j'ai jamais eu... Un jour peut-être, hein, je n'exclus rien. Je suis le premier à le dire dans la vie. Il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Le dojo, allez-y pour placer votre bibi. Le fameux dojo. Qui est traître. Mais je suis pas allé loin dans le premier opus. La map préférée de Torota. Non. J'ai pas ce... Non, c'est ma préférée, le dojo, en fait. Non, la préférée de Torota, elle est passoire, c'est l'état de siège au niveau du château, là. La longue piste, tu sais, avec les lasers qui poussent, avec les chutes de météores en grande ligne droite. Tu vois, Fun Fan? Oui, oui, je vois. C'est celle-là qu'aime bien Torota. Et là, c'est le dojo que j'aime bien, moi. Et puis, Japon, en même temps, le symbole, voilà, c'est la totale pour moi. En 1.50.0.70 et un certain Twinsen Twitch en 0.204.214. Est-ce que son record va tomber ce soir? Est-ce qu'il va l'améliorer? C'est toutes les questions qu'on peut se poser. Ah bah d'accord, bon bah il va pas pouvoir l'améliorer. On n'est que 3 là. Gips. Allons nous faire tomber le record de Twinsen. Allons nous faire tomber le record mondial même. Non, il y a quand même un écart de près de 15 secondes, mais déjà le local, ce serait énorme. Parce que vraiment, la piste est technique, elle est vraiment très très...
T'imagines, Vincent, si c'est moi qui fais tomber ton record local et qu'en plus mes deux billes elles arrivent à battre ton record. Là, tu fais mal, là, tu crées un scandale. Ah, pour l'instant, ma bille elle fait un beau parcours. Mais je sais pas où il est. Oui, heureux aéro. Et B. Oh, la violence. À ma vie, c'est fini. Ouais. Mais par chance, j'en ai une seconde. Oui, bah elle est très chahutée, ta seconde. Hein. Elle est encore en piste, mais... Elle a frôlé la correctionnelle une première fois, là. Elle a lorgné le bord de la piste. C'était pas gagné. Si un jour un de mes comptes secondaires bat un record de Twinset, là, il crie au scandale, là. Il demande réparation, là. Non, je pense qu'il est tranquille, là, Twinset. Ouch. Ouh, les pistons, attention, ça va, c'est bien placé. Non, il n'y aura pas de record battu là. T'as rallié l'arrivée en 2,27, mais avec ta bille secondaire. Ouh là là, ma bille elle est loin. Qui nous dit si je suis premier, je vous dis des histoires autres entre Nash et Franck. Y'a que ta bille secondaire qui a rallié l'arrivée, Fanfan. Léotech vainqueur et unique vainqueur. Ah, pourquoi pas, hein, Pierre. Oh, mais non, Pierre, n'importe quoi. Par contre, je veux pas les DVD. Hein. Allez, point d'exclamation, play. Surtout que c'est probablement la plus belle carte du jeu qu'est le système solaire. Marble Sanctuary. Point d'exclamation play pour placer votre mini sur la piste. Et là, c'est à ta gloire, Funfan, puisque t'es à 5 secondes du record mondial. Toi, Izzy, qui a le record en 3,29 et moi, qui l'ai en 3,34. C'est très serré. D'ailleurs, qu'on ne cessera jamais de vous dire, j'avais le record pendant très longtemps. Un an et quelques, et puis Dragon Sky est venu, il a pris le record, il a gardé quoi, un temps d'un week-end, une journée, et puis paf, je l'ai récupéré à la course suivante. Ah, tu peux en être fier parce que c'était énorme. Ah ouais. Et le pire, du coup, c'est honteux, mais j'en profite pour faire mon auto-promo. Vous pouvez trouver ce ralenti, cet exploit sur ma chaîne YouTube, puisque vous le savez, j'archive tous mes directs. Donc n'hésitez pas à piocher dedans, parce que les listes de lecture ou playlists de YouTube, eh ben, je prends soin de les concevoir tout simplement à partir du titre de l'œuvre jouée. Donc j'ai une liste de lecture Far Cry 2, j'ai une liste de lecture Marble on Stream, j'ai une liste de lecture Minecraft, etc., etc. Voili, voilou. Pierre Troutman, la bille est bien partie. T'es devant la bille qui a pas de nom et ça doit être le fantôme justement du record local par Funfan. Ouh, très bon départ visiblement de la bille de Pierre Troutman. Avec un peu de chance, si tu gardes le rythme, tu vas peut-être battre des records. Ce serait énorme. Tu t'imagines Pierre Troutman avoir le record mondial sur une carte? Ton nom sera affiché partout sur notre petite planète pendant des jours et des jours. Ça serait dingue. Il
D'un côté, si quelqu'un bat mon record, je sais que je le rebattrai ensuite. Oh ah là là, t'es terrible. Ah bah oui, ça pourrait être un homme heureux, ça flatte l'ego, ce genre d'exploit. Ça peut être que des statistiques, mais c'est sûr que ça ne peut faire que plaisir. Oh, Saturne et ses anneaux, c'est beau. Joli, Rooster, belle réception au niveau de la Bibi. Non mais Pierre Troutman, t'es vraiment parti comme une fusée là. Et Aeroster en poursuite, c'est stylé comme spectacle que vous nous offrez là. Bon, je rappelle que le jeu des bibis, c'est du pur hasard. Mais là, le hasard assure le spectacle. Fiche. Aerostro, pour le rattraper. Aerodiclinisme. Oui, t'as Nitro. Alors, Aeroster qui est derrière Tabi Fantôme, fait fan. Mais de ce que je vois, Pierre Troutman est devant. C'est énorme. Ah non, c'est la pierre. La pierre. La bille de pierre. Bref. Que je vois devant. Mais du coup, le fantôme, il est où? Ah non, le fantôme, il est plus loin devant. Ah merde. Le rythme est plus le même. Mais comment t'avais fait à l'époque, FunFan? C'est de la folie. Laissez tomber, je suis un as. Dit Pierre. Je dois l'avouer, j'étais dopé, mais voilà. Oh non, Aeroster a chu. Ah bah Pierre Troutman aussi. Oh non, il reste Léo Tech qui est en tête. Bon, encore Léo, il peut, c'est la famille. Non, le record sera pas battu. De ce qu'il reste à faire, ça y est, c'est mort. Ça y est, là, c'est le délai de ton record. C'est foutu, c'est pas pour ce soir. Encore ça aurait été bien essayé. On y aura cru. Ah, mais même ma bille, elle est partie dans l'espace, dans le cosmos. Dans le vide intersidéral. Ça prouve que c'est bien une de mes maps grand. Il n'y a que moi qui ai fini. C'est vrai. Et encore, c'est mon compte secondaire, même pas mon compte principal. Je constate. Allez, où? Ou de la picole. C'est toi qui ressemble. Point d'exclamation play. Allez-y. C'est la piste aux extraterrestres. J'aime bien celle-là aussi. Ça va être ma deuxième préférée après le dojo. C'est marrant. J'ai encore le record local. Aussi. J'avais pas fait gaffe. Ah, cette soucoupe m'a fait flipper. Il a une 48 et moi je l'ai quasiment en 2 secondes. Un peu moins, mais j'ai passé sous la barre des 2 secondes. Vais-je améliorer mon record? Vais-je me faire battre? Ou vais-je avoir le record mondial pour l'améliorer? Va savoir. Peut-être que ce sera le sage, c'est la famille aussi. Peut-être que ce sera Twinten, même aussi c'est un ami de la famille. Ce sera Aeroster, c'est la famille maintenant. C'est Aeropen. Allez, you, c'est parti. Et je vais me répéter encore, j'ai envie de dire presque comme un vieux gâteux. Chaque fois qu'on joue cette piste, je ne peux m'empêcher de penser au film tourné par Mel Gibson, qui est un acteur que j'apprécie beaucoup. Alors évidemment, principalement dans la saga qui l'a rendu célèbre, qui est L'Arme Fatale, The Lethal Weapon, mais aussi Mad Max. Mais il avait fait plein de films, dont un particulier qui était Crop Circle, qui était dans le thème justement des extraterrestres. C'était sympa, ça se regarde une fois. C'est pas le genre de film qu'on regarde une deuxième fois. Bon, c'est mon point de vue hein, que je vous partage. Mais c'était sympa. Mais c'était très, très américain dans les codes. Hein. Et voilà, à chaque fois qu'on fait cette piste, je pense à Mel Gibson. Alors, Aeroster, malheureusement, tu t'es fait kidnapper par les aliens.
On dirait une texture peau de serpent. C'est possible. C'est possible une scène. Oh, t'as pas participé à une scène, c'est dommage. On aime bien quand t'es avec nous. Qu'est-ce que tu nous fais, Léo, là? Voilà. Ah, j'adore cette map parce qu'elle le piège en plus. T'étais même pas sûr jusqu'à la fin d'y arriver, quoi, avec la, ouais, la place qui bouge. Exact. Il y a le suspense jusqu'au bout. Alors, pour le record mondial, c'est mort. Maintenant, c'est le record local. C'est mort aussi pour le record local. Bon. Oh! C'est plus pour moi. Oh oh! Ta bille agit que les Otec. Oh joli! Fun fan qui arrive à rallier l'arrivée. Bon, à 40 secondes de son corps, mais rien que le fait déjà de rallier l'arrivée, comme il vous l'a expliqué, c'est un exploit. Oh là 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 là! C'est fou ça! Je sens que tu vas être le seul à rallier l'arrivée. Ah non! J'ai été mauvaise langue. Je t'ai rejoint à l'arrivée quand même. J'ai fini dans la gamelle. Ibi. Ouch, Frozen. Alors celle-là, je pense à Madonna, puisqu'elle a un titre éponyme. Elle est longue, Frozen. Allez-y, point d'exclamation, play. Ah, un record de Twinsen. Comme tu l'as dit, c'est Frozen. Et le record mondial est détenu par The Kilik en 0241-200. Et le record local est détenu par un certain Twitch and Twitch en 3-10. Allez, 3-11, parce que j'ai envie d'arrondir. Voilà. Bien vu, merci. Et oui, la piste qui en jette un froid. Donc, est-ce que le record de Twinsen va tomber ou est-ce qu'il va être amélioré? Est-ce qu'il va défendre son record? Allez, Twinsen, avec toi, vite, vite! Twinsen! 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 J'ai fait ce que j'ai pu, mais ça n'a pas suffi. Après, on pourra pas dire que j'ai été mauvais. Donc, le roi ne défend pas son record. D'ailleurs, je suis content que mes records ne sont pas tombés parce que c'était une semaine cruciale, un week-end crucial où j'allais augmenter les impôts pour mon peuple. Donc, il ne faut pas qu'on change de souverain à ce moment-là, quoi. Sinon, le nouveau souverain va être obligé de baisser les impôts. Et ça, c'est pas bon. J'ai laissé un gros déficit, il faut le rembourser. Oui. Alors, j'aime bien, oui. Tu plaisantes, mais en même temps, tu me fais un rappel cruel à l'actualité réelle. Et le coût de la dette américaine, là, qui est en train de négocier. Pourvu que les Américains arrivent à se mettre d'accord, parce qu'il pourrait y avoir des remous assez sévères sur l'économie mondiale, et on n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment. Enfin voilà, j'en reparlerai peut-être pas demain, par rapport à mon programme, parce qu'il n'y aura pas d'antenne libre. Peut-être lundi, allez savoir, mais bon, c'est... Ah. J'ai bon espoir qu'il reste raisonnable du côté de l'oncle Sam. Bref, parenthèse fermée, pardon. Il n'aura pas le choix, il devra augmenter les impôts. Il vaut mieux que ce soit moi qui me prenne une impopularité. Chibidibidou. Ah. Oula, oula. Prendre le record de Twinsen, c'est bien parce que Twinsen a prévu de baisser les impôts d'après les rumeurs. Donc... c'est bien pour prendre la montée de popularité. En parlant de baisser les impôts de ton côté, est-ce que tu te revois bientôt sur ton antenne refaire un SimCity ou un Tropico?
Les jeux de gestion, t'aimes bien en général, avec vocale ouverte. Ouais, peut-être un SimCity, pourquoi pas. Oh, tu sais que la dernière fois que t'as fait un SimCity sur ton antenne, tu dois te souvenir, t'avais eu un incident nucléaire. Le pire incident dans le jeu. Oui, c'est vrai. Je te l'avais clippé d'ailleurs. Oui, tu me l'avais clippé. Ouais. Pour ceux éventuellement qui connaissent pas SimCity, qui est un jeu de gestion de ville où vous construisez votre cité et vous devez faire votre boulot de maire, entre autres. Et en fait, FunFan avait eu le malheur d'avoir atteint l'usure maximale avec incident d'une centrale nucléaire. Et l'incident nucléaire fait que vous avez, comme le jeu est réparti, on va dire tel un damier, il y a plein de cases qui étaient devenues non utilisables, on va dire ça comme ça, de manière sporadique, de manière hasardeuse. Et c'est l'horreur en fait pour le jeu de gestion, parce que ça condamne plein de cases, on va dire, dans la grille de jeu. Et ça devient injouable en fait. Ouais, vive le nucléaire, c'est ça, Pierre. Oui, en plus, pour qu'il n'y ait plus de nucléaire, enfin, je sais plus comment on dit, eh ben, il faut attendre, mais dans le jeu, type 20 ans, 50 ans, peut-être un siècle, c'est vraiment trop long. Pour que le site redevienne viable, vaut mieux reprendre une sauvegarde, c'est plus rapide. Ben oui, c'est terrible. Oh, il est arrivé les aliens aussi. Quand tu fais les aliens, quand ils t'attaquent, c'est quand t'as des monuments en général. J'aime bien prendre les monuments. Après, il y a le plus courant, c'est celui des mers, quoi, le petit ouragan. Mais bon, en général, tu perds juste le phare et quelques portes. Toutes les portes sont reconstruites tout seul. Néotech, moi-même, Aeroster et FunFan. Voilà pour le classement. Oh, avant-dernière course de ce soir, hein, je vous l'avoue. Là, pour l'admi, je me préparais à faire un relais de chaîne. Allez-y, point d'exclamation, play. Morbeau, roi des forêts. Faudra que j'aille miamer. Et vous connaissez déjà la composition de ma soirée. Je vais essayer de concevoir un parcours de mini-golf dans Golf Around. Et je me ferai une joie de converser un peu avec certains via Discord. Ceux que j'ai cités. Tira, par exemple. J'aimerais prendre de ses nouvelles, par exemple. Mais il n'y a pas qu'elle. Ah là là. En tout cas, merci à vous d'être là. On l'appelle Pirapeux. Aïe, aïe, aïe. Elle est redoutable, celle-là. Ouch. Ah bon. Oui, on a entendu ton retour télé. Ah bah. T'es puni, ta bille est tombée dans le vide. Ah, la mienne aussi. Il reste plus que ta bille secondaire et Aeroster qui est bien parti devant. Je repense à Moby, des échanges qu'on a eu tout à l'heure sur la musique.
Il a aussi une compilation, plutôt pas d'album, puisque c'est le même artiste qui est Moby, de réinterprétation, remix de ses œuvres, ou d'œuvres d'autres. Il a la reprise de Mission Impossible. La reprise du thème de Mission Impossible par Moby. Non, James Bond, j'ai des conneries, moi. Des bêtises, pardon. Mais non. James Bond. Eh oui. C'est la fatigue et la mousse, là. Je commence à débiter des âneries. Oui, bah oui, tu peux l'avoir, Pierre. C'est une valeur sûre. Ah non, sa réinterprétation, ça a été redynamisé, ça a été remis en volume. C'est une tuerie sonore, c'est génial. J'adore. Bah, je me la réécouterai ce soir en même temps que d'écouter la favorite du répertoire de Moby, la favorite d'Aerostar qui m'a décliné tout à l'heure dans le chat. Je m'écouterai ça ce soir que je me fasse. Je me remémore à quoi ça correspond. C'est quoi cette map? C'est une carte graphique? Et. Je sais pas quoi dire. Oh, on va la. Normalement, on devrait la finir rapidement parce qu'en une minute, le record mondial est sous la barre de la minute. Pierre, tu dis, je l'ai acheté. Enfin, je l'ai car j'avais racheté quelques milliers de disques du label Mute. C'est marrant d'être un label et s'appeler Mute. Bah, c'est de l'humour. C'est justement, c'est fait exprès, c'est de l'humour. Est-ce que c'est Véronique Sanson, la principale actionnaire? C'est ça. Et pour les écrivains, être la maison d'édition page blanche, page vierge, feuille vierge, c'est quand même mieux, tiens. Encore plus drôle. C'est ça. Même le sage en rigole. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Donc, celui qui... Ah, bon, ben, il n'y aura pas fait une panne. Celui qui gagnera inscrira le record. Zut, je l'ai mis trop tôt, ma truc. Bon, On connaît déjà le podium. Encore que, j'oublie le fait de tomber dans les limbes, comme j'aime à le dire. Enfin, l'aimer à le dire, ouais. C'est vite dit. Bon, mon honneur est sauf, j'ai encore ma vie secondaire. C'est ça qui est beau. Pas pour Twinsen. Oula, 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 oula. Alors que ma bille a pris le large. Ouch, oula. Alors là, Aerostar, ta bille est malmenée. Viens là, c'est sur Bibi. On zoome à mort dessus. Ouch, ça fait flipper. Oula là. Pour le coup, sa vie, c'est un arrêt au sol. J'ai un test printing de Moby. Cool. Attends, mais comment ils ont établi le record mondial sous la minute? C'est un truc de fou. Il a dû se passer un truc anormal, du genre la bille a été éjectée par un piston et c'est miraculeusement retombé dans la gamelle d'arrivée. C'est pas possible autrement. Hein. Parce que là, on est déjà à plus de 2 minutes. Enfin bon, là c'est... Non, mais même ma bille qui est devant... Ah voilà, elle viendra aller l'arrivée, la mienne. En 2-10. Bon bah, tu inscris ton record local, tu auras qu'on le bat. C'est ça. Ah, si j'avais mis ma vraie bille, ça se serait passé différemment. Oh, oh, oh. Prétentieux. C'est une vérité, il y aurait eu 4 personnes, ça aurait été différent. Je ne sous-entends pas que j'aurais gagné ou quoi que ce soit, je dis ça aurait été différent. Et la vérité, quand il y a un concurrent de plus, c'est différent. Ah oui, il y a eu le mur éliminateur. Oh la vache. Oh la violence de cette carte finalement. Eh bien...
Il paraît qu'il existe du speedrun pour Marvel en stream. C'est malin. Bon bah je suis deuxième. Et Otek est premier. Ouais, c'est nous trois. Ouais. Désolé Aero, désolé Pierre, désolé tous les autres. Je sais plus quoi dire. Désolé Pan Pan. Oui, Pierre. Bien sûr. Et qu'il est bête. Aïe aïe aïe. Bon, bah merci à vous d'avoir joué, c'était cool. Allez, j'ai envie de dire presque comme le veut la tradition sur mon antenne, vous avez le droit de voir ma tronche en gros plan. Pour vous remercier, merci à vous d'avoir été là. Moi, je vous dis rendez-vous demain matin aux environs de 9h. Je continuerai l'histoire folle de Final Fantasy. Est-ce que c'est la bonne boîte? Oui, c'est la bonne boîte. Et j'ai la belle bonne jaquette. Sur PS3, on continue le Final Fantasy 13 partie 2. Voilà, j'ai fait mon mariole, je suis content. Vous l'avez en pleine poire, le titre. Bref, demain matin, on fait ça. Que dire? Bah, rien d'autre, puisque je pense pas qu'il y en ait d'autres parmi vous qui fassent des directs à cette heure-ci ou dans la nuit. Mais merci à vous d'être là. N'hésitez pas. Je reprends ta formule Aerostore qui est excellente et qui est très juste. C'est-à-dire, n'hésitez pas à vous voir les uns les autres. Ça, c'est bien dit. Voilà, merci pour le jeu. Bonne soirée, enfin bonne deuxième partie de soirée vu l'heure, il est déjà 21h30. Que la nuit vous soit douce, agréable et ressourçante. Et Pierre qui nous dit, il y avait Honey qui avait fait un carton à l'époque. Oui, je l'ai dans la tête maintenant que tu le dis, le titre Honey de Moby. Oui, bah, au plaisir, merci à toi Roster. Et ben voilà, demain, je sais plus quoi dire d'autre. Merci pour la modération, FunFan, l'animation, merci pour les clips, tout à chacun, tout ce que vous avez fait, merci tout plein. Et on va faire un relais de chaîne. Relais de chaîne, bougez pas. Bougez pas. Alors, ça fait longtemps que je suis pas venu aller lui faire un coucou. Et le garçon est adorable. Pardon. Il est comme moi, diffusé qu'en week-end. Non, je dis des bêtises. Parfois, il diffuse en semaine. Mais il diffuse rarement, trop rarement d'ailleurs, à mon goût, parce qu'il a du talent, le garçon. Je veux parler de Morbo. Si j'arrive à retrouver dans l'interface Twitch son pseudo, son canal, que je puisse voilà, lui faire un... Le dire les chaînes, voilà. Oh, puis la personne quasiment, il a 2 spectateurs. Oh. Alors il fait un jeu que je connais pas, on dirait une espèce de Gartic Phone. Bah tiens, on va peut-être découvrir un nouveau jeu ensemble. On va filer chez lui. Bref, merci tout plein, vous toutes et toutes. Prenez soin de vous. Il est parlons où, peu, il est là, pain. Il est là. Cool. Chez McDo, le pain de nos burgers est désormais mon Dieu, fait avec la farine de c'est scandaleux. Rouge grâce à cette... Au secours. Voilà, on file chez Morbo. Allez, bisous, à demain, ah, ciao, ciao. Oui, on peut tricher comme ça aussi. On peut retirer les attaques pour les mettre sur un autre. Oui. J'ai oublié de lancer place, le mince. On enlève qui? Allez, go. Voilà, faut que je le fasse manuellement. Ah, j'aime bien le crabe, en plus il fait du feu. Ah oui, c'est vrai qu'il fait du feu maintenant. Eh ben ouais. Et coucou le sage. Merci pour le raid. Comment vas-tu? Et bienvenue à tout le monde d'ailleurs. T'as une préférence du coup? Bah non, merci.